Dans quelques instants, on va marquer une petite pause, mais avant ça, on va prendre le temps d'ouvrir la page culture du jour. C'est un jour un livre avec le coup de cœur de notre spécialiste littérature, Bob Garcia. Bonjour, qu'est-ce que vous nous proposez aujourd'hui ? Bonjour Margot, bonjour tout le monde. Je vous propose de débuter cette semaine avec un livre un petit peu hors norme, mais qui est pourtant d'actualité, puisqu'il s'agit de l'Almanach des Hauts-de-France 2021. Vous connaissez bien, évidemment, c'est publié par La Voix Édition. On est bien placé pour en parler. C'est un almanach tout à fait normal, je dirais banal, avec les 12 mois de l'année, les 365 jours, les fêtes à fêter, etc. Sauf qu'il y a beaucoup de choses à ajouter sur cet almanach, beaucoup d'informations concernant les Hauts-de-France. Mois après mois, vous avez trois rubriques principales, on va dire. La première, c'est l'horoscope. Bon, voilà, vous savez à peu près à quelle sauce vous allez être mangé pendant le mois en question. La deuxième, c'est le village de chez nous. Pour le mois de janvier, par exemple, c'est le petit village de Cassel. La troisième grosse rubrique, c'est les gens de chez nous. Là, vous avez un certain Jean-Baptiste Godin, Jean-Baptiste André Godin. Je vous laisserai découvrir qui c'est. Je l'ai découvert moi-même en lisant cet ouvrage. Et une autre rubrique, une dernière rubrique, qui est un petit peu un voyage dans le passé. Le mois en question, mais 20 ans avant, 50 ans avant et 100 ans avant, ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est à la fois un voyage historique, on découvre des tas de choses sur le patrimoine, sur les choses à faire dans les Hauts-de-France, il y a des idées de balades, des idées de découvertes, il y a même des idées de jardinage, et puis il y a des tas de jeux, il y a des mots croisés, des jeux de cette différence, etc. Voilà, bonne lecture, à demain.